Départ du cimetière de Montmélian. Facile pour se garer. Au-dessus, c'est la roche du Guet. Donc c'est le dernier truc que je vais faire. Je vais redescendre par là. Et là, je vais essayer de contourner le cimetière et de traverser toutes les vignes jusqu'à Chignin. Ça passe très facilement à travers les vignes. En traversant à mi-pente un bon moment, puis ensuite tout au-dessus des vignes, on arrive en vue du village de Tormerie. En apercevant tout au fond le château de Chignin. Arrivé à Tormerie, on remonte un petit peu par le premier chemin là. Puisque le sentier qui monte après vers le roc de Tormerie se situe au-dessus de Chignin. On aperçoit le clocher là-bas. Pour traverser au-dessus de Tormerie, il faut chercher un petit peu les passages dans les vignes. Toujours en direction de Chignin, enfin, sous Chignin. Jolie vue sur le château de Chignin et sur sa tour. C'est très chouette. Depuis Tormerie, à mi-pente, rejoindre les dernières maisons au-dessus de Chignin. Le sentier n'est pas loin après. À la sortie du hameau, prendre le chemin qui monte tout droit. Comptez une bonne heure pour faire Montmélian-Chignin. On arrive très vite au début du petit sentier, juste avant la dernière vigne. Fléché, mais au cas où ça ressemble à une petite rigole, et là ça va grimper très raide. Après le raidillon, sympathique montée dans les buis, c'est très agréable par là. C'est très beau ce tunnel de buis. Arrivé à l'intersection, au bout de presque une heure de montée, il faut continuer tout droit en fait, direction le trou de Chignin. Soumis aux avalanches, le sentier effectue une longue traversée, mais il devient moins bon. Jusqu'à ce qu'on arrive au trou de Chignin. Et là, on va continuer tout droit par le passage des échelles. Pour ceux qui craignent le rocher, vaut mieux prendre à gauche. Le sentier devient beaucoup plus montagnard, c'est très sympa ici. On passe sous des grandes barres après. Un peu plus haut, on arrive au fameux ouvrage de soutènement. Je ne sais pas comment ils ont pu construire ça là.
C'est assez énorme. Voilà, je pense que ça soutient le gros rocher là-haut pour pas qu'il tombe dans la vallée. Bel ouvrage. À peine au-dessus, j'arrive enfin au but ludique de cette traversée. C'est le fameux passage de l'échelle. C'est très sympathique à faire. Je pense que c'est par là que les ouvriers devaient descendre pour fabriquer l'ouvrage. Allez, il n'y a plus qu'à grimper. Que si vraiment vous êtes sûr de vous, mais bon, vous pouvez tout prendre une sangle et un mousqueton. Ensuite, on arrive très vite au sommet du roc de Tormerie. Au-dessus du village de Tormerie, ça tombe bien. À côté, c'est Chignin. Bon, pour les paysages aujourd'hui, ben, faudra repasser. Hein. On voit à peine le col du Granier et le Granier, la Chartreuse donc. Et puis ben, la vallée de l'Isère hein, qui va vers Grenoble. On aperçoit à peine Belle Donne. De l'autre côté, ben, c'est les Bauges avec la pointe de la Galante. Margeria au bout. Et là-bas au fond, ben, la Croix du Nivolet. Allez, il n'y a plus qu'à traverser les crêtes, c'est très sympathique. Direction le Tapin. Voilà donc la traversée donc jusqu'au Tapin, et après avoir fait le Tapin, ben, on va à la Roche du Guet. Bon, ça s'écrit pas G-A-Y. C'est ici qu'on rejoint le sentier ben, qui arrive de l'autre côté et qui est moins difficile. Il n'y a pas de rocher. Donc là, en fait, on continue tout droit. Il y a encore un peu de neige. On est à Lubac, là. Direction le Tapin. Petit passage rocheux. Si vous n'aimez pas ça, ben, il vaut mieux prendre le sentier qui va direct à la Roche du Guet. Passage câblé, très sympathique, c'est cool ici. Pas vraiment utile en fait, mais bon, ça rassure. Très sympathique passage. Je suis arrivé au sommet du Tapin. Et de là, ben, on aperçoit Montmélian. Et tout en bas, j'arrive même à voir ma voiture. On voit la vallée de l'Isère. Mais bon, c'est tout dans la brume.
Et voilà le tapin. Et là-bas au fond, la roche du Gué. Il y a plein de monde, on dirait là-bas. L'emblème de la Savoyarde. Parce que vu d'en bas, ben, le rocher ressemble à une femme savoyarde, soi-disant. Très sympa le sentier du Tapin jusqu'à la Roche du Gué. Là, il y a de jolies tables d'orientation. Des deux côtés. On a un joli aperçu sur les Bauges. Comme c'est pas clair aujourd'hui, ben, je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai faites du sommet de la Roche du Gué. Petit panoramique du sommet de la Roche du Gué au-dessus de Montmélian. En bas, le lac de la Tulle qui est très proche. Tout au bout là-bas, c'est la croix du Nivolet. Le Margeria. La pointe de la Galope. La dent d'Arcluse. Le Mont Blanc, géant, vu d'ici. Tout en bas, c'est Albertville et le début de la vallée de l'Isère. Là, c'est toute la chaîne des monts d'Albé avec le Grand Arc tout au bout, magnifique vu d'ici. Une jolie pyramide. Ensuite, on va longer tout le massif de la Vanoise. C'est bien enneigé quand même déjà. Puis la chaîne de Belledonne. En dessous, ben, c'est toute la vallée de l'Isère qui va jusqu'à Grenoble. Tout en bas, c'est Montmélian au pied de la Roche du Gué. On va se déplacer vers la Chartreuse en plein soleil, mais c'est très joli. Avec tout au bout à son extrémité le Mont Granier. Et son très large col. Voilà, on a fait le tour. Arrivé là, ben faut aller tout droit, pas rater le sentier qui descend sur Montmélian. À gauche, ça va vers le rocher de Manétaz, et il y a un autre sentier un peu plus long qui descend sur Montmélian si on veut faire une boucle d'un autre côté. Le sentier de descente, toujours à travers buis, est confortable et rapide. Même si à un endroit, il y a une petite remontée bien sèche. Et voilà! On est presque arrivé. Gros chemin jusqu'au cimetière en bas où est garée la voiture. Il est beau le granier ce soir, au couchant.